Silence Pierre, on est en train de tourner. Salut tout le monde, c'est NPC, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Aura Kingdom, le 31 si je me trompe pas. Wouhou, on a battu les 30 épisodes avec Aura Kingdom. GG. Ouais. Et 30 épisodes, c'était en compagnie de Firecrack et Pierre Transicel, comme toujours. Les deux PGM de sa mère. Ta gueule. Ouais, les PGM de notre mère. Voilà. Hein. Bon, il y a encore Borderlands 2 qui a presque 40 épisodes, je crois. Ouais, mais c'est un peu le bordel dedans. Ouais. On fait n'importe quoi. Le truc, ça va durer au moins 150 épisodes, mais on s'en fout. Il y a moyen. Et en plus, on est que level 20 hein, dedans. Mais tiens-moi. Bon, bref. C'était la parenthèse nombre d'épisodes. Ah oui, donc fallait tuer les crocos là. Faut les faire éclore et après faut les. What non. Ah non, merde, j'ai pas vu qu'il y avait des crocos. Je sais pas où vous allez, mais je vais vous suivre. Je sais pas. En fait, je sais absolument pas où je vais. Ok, je vais dans la mauvaise direction. Viens sur l'autre côté. Ok, non, mais les PGM quoi, à chaque fois on va dans la direction opposée. Bande de PGM. Ah, je voulais. Ah, ça m'a fait reculer, c'est quoi ce bordel là? Oh, y'a des crocomanes. Oh, ils sont niveau 33 hein! Ah, ça change enfin, c'est pas trop tôt! Tu sais, ça change un peu de mob! C'est cool ça! Ils sont de plus en plus puissants maintenant! Bon, toi, Pierre, ça t'affecte pas parce que t'as fait des quêtes annexes! Putain, ça c'est chaud à loot en plus! Oh, des dégâts de l'Ezoroco! Ouais, c'est ça! C'est ça! Bon, on fait technique Terra ou. Comment ça se passe? Ouais, moi je veux bien! Ok! Allez, j'agro tout! En mode tank. T'es où? Putain, c'est ce qu'il a gros. Ouais. Ah, la patte. Même pas mal. Voilà, ça va plus vite comme ça, j'en ai déjà 3. Oh, moi je voulais 5. Putain. PG. Non, j'en ai 5. Je suis en mode chill. Ici. Venez là, petits enfants, je vais tous vous tuer. Et de 6. Non. Oh, j'ai un parchemin d'optimisation. Quoi? La queue de la chatte, lui. Mais c'est quoi en fait? Le truc pour améliorer tes armes, tu sais. Le truc là. Ah, ok, d'accord. Ouais, mais j'en ai obtenu plein aussi, moi ça. Ouais, y'a que dans cette zone où j'en ai looté. Ah, bah non, pas du tout, moi. C'est que dans une quête que j'ai gagné. Ah ouais? Moi aussi avant. Mais non, je sais pas. Ouais, parlez à. Attendez, moi j'en ai que 3 là. Ça va plus loot. Oh, attends, je vais avoir un gros d'autre pour c'est toi. Trop long. Ouais, ça veut pas du tout. Au pire, arrose-les toi-même, puis peut-être que ça marche en mieux. Bah, c'est ce que je fais, hein. Tout à l'heure j'en bute. Vas-y, bah ton dragon est cheaté là, faut le tuer. 4 sur 6. Tu te chier, mais où c'est non. Bah, toi aussi, t'en avais chié, c'était pour les piafs, lit, tu te souviens, tu sais, avant la ville. Putain, attends, mais. En plus, y'a plein de trucs. Y'a plein de trucs, du coup j'ai appuyé sur le loop au lieu d'attaquer, tu sais. Ah ouais, sur les œufs. Ouais. Non, mais même pas sur les œufs, y'a aussi les joyaux là-bas là. Ouais, les piafs là, putain, et c'était chiant ça là. Moi je n'ai pas chié pour les piafs. Et ben là, ah voilà, là j'ai assez. C'est rageant que ça va pas bien. Bah je vais continuer d'en tuer, comme ça j'ai monté le niveau. Oh, oh. Je suis encore trop loin. Moi je suis à 99,110. Bande de cheaters. J'ai gagné quoi là? Des fragments. Puis ça change un peu le combat. Ouais. Oh, j'ai looté une arche. En fait, j'ai pas envie de parler alors, du coup. La technique de la fuite. Fuite. Yeah! Bande de cheaters. Level up. Alors. On va augmenter encore les dégâts. Les PV. Faut que j'aille en haut. Maîtrise défensive, on va faire. Je vais juste prendre ça. Pourquoi j'ai pas passé mon niveau? Ah, je me fais aggro par tous les mobs de la map. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais d'accord, j'appuie pas sur les bons boutons. Je me demandais pourquoi ça tournait la caméra au lieu d'attaquer, mais en fait j'appuyais sur A et E comme un con. Oh, un parchemin d'optimisation.
Putain, mais. PGM. Mais abattez-le. Abattez-le. Mais c'est pas par là qu'il faut aller. Je suis perdu! Faut retourner à la ville. Y'a des crocodiles bleus partout! Faut retourner à la ville. Ouais, vous êtes où là? En la ville. Moi j'ai en train de bagrouiller l'immeuble. Ouais, maintenant c'est M33 et moi j'ai toujours pas 33. Alors depuis tout, on est tout en. Ouais, mais là ça va devenir de plus en plus difficile. Laissez-moi faire! Vous venez de ramener les cailles de l'Odinien à Montero, très impatient. Montero écarte quelques machines, puis concentre toute son attention sur l'ensemble. Après avoir passé un peu de temps à effectuer une réparation, Montero réassemble tous les éléments de sa machine. Ok, je ne suis pas entièrement sûr que ça va marcher, mais essayons. Montero laisse échapper un petit rire gêné. Montero appuie énergiquement sur l'interrupteur. Cette fois, aller faire la quête, ça vous regardez attentivement la machine, mais elle ne semble pas réagir. Montero appuie à nouveau sur l'interrupteur. La machine ne bouge pas d'un pouce, excepté sa nouvelle enveloppe, toute reluisante, toute sa machine ancienne cassée. C'est toujours sa machine ancienne cassée. Je ne sais pas quoi faire. Je crois que j'arrive. Salope. Hein, c'est le même que tout à l'heure. Ah mince. Je crois que j'arrive pas à réparer cette machine. Je comprends pas comment fonctionne son propulseur et ne peux déterminer de quel type d'énergie la fait marcher. On dirait que les finales sont sur le point de commencer. J'ai besoin de faire quelques réglages sur mes automates. Vous devriez apporter la machine à quelqu'un d'autre. Je suis vraiment désolé. Vous poussez un soupir et quittez le cottage de Montero, tout comme l'a dit Pierre, l'assistant de Montero. Ah oui. Voilà. Même si le champion précédent Montero est très compétent, tout ce qu'il est capable de réparer, c'est la structure de la machine. Ce nain du village se prénomme Pierre. Dit que Copernic peut réparer cette machine. Pourquoi ne pas lui donner un coup de main? Pas de dialogue. Ok, je viens de gagner 15% de ma barre d'XP. Normal. Bon, fallait voir. Parler au chef Tot après. Tot. Je suis en train de fermer les gros groupes. Et pourquoi? Pourquoi ma chambre c'est un moulin à main, les gars? Ouais. Parce qu'il y a du vent. Arrête de péter, ça fait du bon. Bref, donc on reprend, hein, après qu'on soit entré dans ma chambre en toute illégalité. Sun Piece. Oh, il y a la croix stylée que j'ai fait, empêche. Non, j'ai pas vu. Grosse merde. Bah non, parce que je suis dans le texte alors. Vous avez juste à attendre, j'ai une faveur à vous demander. L'agent de sécurité du hall de. Attendez. La base CPS a été mise à jour. Voilà, l'agent de sécurité du hall et de la compétition vient de me prévenir. Les Lizgrico viennent de commencer leur période de recherche de nourriture. J'ai peur qu'ils n'affectent les finales de la compétition. Nos armes de nains ne servent à rien contre l'armure des machins. Nous ne pouvons pas les endommager, sans même parler de nous en débarrasser complètement. Les crocos ne sont normalement pas en recherche de nourriture à cette période. À chaque fois que nous avons rencontré cette situation dans le passé, nous avons dû repousser la compétition. Mais la compétition cette fois-ci pourrait s'avérer être des plus passionnantes. J'espère que nous n'aurons pas à la repousser. Ainsi, j'espère que vous accepterez d'aller à l'est de l'arène de compétition et que vous nous débarrassez des crocos. Je vous paierai en conséquence, bien entendu. Qu'en dites-vous? Bah ouais. Vas-y, file. Si faut tuer juste des crocos. Ouais. Ah, mes autres crocos, c'est à côté de l'autre zone. Ah ouais, c'est les bleus là. Ah bah je vais les fermer, tiens, vu que je veux passer le niveau en même temps. Coco! C'est les carnivores là? Ah non, je suis allé encore non, trop loin. Non, c'est à côté là, les bleus. Je suis allé un petit peu trop loin moi. T'as des bleus là. Coco. Ouais. Je ne sais absolument pas où t'es en fait. Vers les autres crocos, mais à gauche, tu vas. Ah ok, ici. Coco! Je suis arrivé complètement par le bon chemin, mais c'est pas grave. Je l'avais pas vu la gauche. Quête. Y'a pas de gauche, c'est ici. Mais y'a rien, y'a juste un pont. Ah, les carnivores là! Oui, non, c'est en haut, Pierre! Non, c'est pas les carnivores, c'est en haut! Faut que t'ailles retourner voir les. En haut des carnivores! Ouais! Enfin, non, c'est plus loin! Suis-le! Je crois que je suis dans la mauvaise zone! Vas-y, mais t'as vu un village, un espèce de petit village qui est pas la ville? C'est pas moi, je suis vers une mine! Attends, je viens de chercher, je sais où c'est moi! T'as un point de vue d'orientation! Non, c'est pas toi ça! Je suis vers une zone où c'est rouge.
Allez, je veux passer le niveau. Attends, mais t'es vers moi là, non? Bah, je sais pas. Non, t'es où? Putain, mais... il y a un boss vers moi. Là, il est puissant. Mais attends, mais je te vois absolument pas sur les cartes. Ah, maintenant, t'es trop. Non, t'es trop à droite, à gauche, Pierre. Va vers la droite de la carte. Ah, fallait pas aller à gauche. Non. C'est là où on fait. En fait, tu m'as suivi, hein. Fallait vers les crocos, pardon Pierre, putain. Bah, je sais pas, tu m'as dit aller à gauche. Ouais! J'ai obtenu un succès! Non, sans rien faire. À gauche des crocos, on était avant, Pierre. Ah! C'est... T'as pas vu, c'est des crocos aussi encore, c'était marqué dans les quêtes. Si, si, mais. Ah, monte! Des crocos, monte, Pierre! Vu, ah, vous vois, ça y est. Putain, mais pourquoi t'appuies pas aussi sur le truc, c'est plus simple? Appuie sur le truc, bon, j'ai pas. Ah, j'aime pas, j'aime pas. Moi aussi, j'aime pas non plus. Je préfère me paumer. Non mais, tu fais des scènes de truc, ça fait con. Ouais. Allez, voilà, ça y est. J'ai vu dans la vraie vie tout le monde se met. Ah bah quand même. Tiens. Ah, j'ai looté un objet, je sais pas ce que c'est. Une ceinture. Enfin, pas ce niveau. J'ai... 6 sur 6, vainque les crocos. Les crocs, c'est les autres. Après, faut tuer les vers, Pierre. Enfin, faut en retuer quoi. Alors... Les pauvres, les crocos, on les extermine quoi. Extermination! Ah, mais t'es déjà en train de tuer les vers, d'accord. Avec ton poney. Oh, une caisse! Petit poney. Oh, faut pas ramasser. Ah mince, moi. Ah, la pute, il a lui. Ah, il est à toi celui-là, je pense. Non. Ah bon? Ah, il doit être à l'autre. Je peux pas ramasser les caisses. Faut pas qu'il les prenne. Faut attendre. Vas-y. Ah, t'as pas qu'il pocket. Bordel. Je sais pas où faut aller après. Faut retourner au village, mais je suis un peu paumé dans cette zone là. Ah, voilà. Hop. Plein de trucs là. Ouais, parce qu'on sait aussi la première. Ça fait bien longtemps qu'on est dedans, cette zone. Ça c'est quoi? C'est de la merde. Fallait parler à qui? Pourquoi ils m'ont loot ça? Ok, fallait reparler au chef. Coucou le chef! Chef Tot. Avez-vous vraiment pris soin d'eux? On peut dire que vous êtes efficace. Pas très efficace. Hein. Elliot semble très heureux. Voici votre dû. Je vous donne un petit peu plus que prévu. Vous l'avez bien mérité. Tout à fait, tout à fait. J'ai tant envie, mec. Je veux le coffre. T'en as pas le coffre. Non, Pierre, il appartient déjà à notre joueur. Oui, mais il ramasse pas ce gredin. Mais. What? Prototype de pierre. Non, mais je m'en bats les couilles. Voilà. Zone Peace, vous voilà enfin. Comment s'en sort Montero avec la réparation de la machine? Vous dites à Pierre que Montero pourrait réparer l'enveloppe de la machine. Il ne parvenait pas à comprendre le fonctionnement du moteur de séparateur des esprits. Tout est exactement dans l'état que Pierre a décrit. Eh bien, je considère que vous êtes d'accord pour coopérer avec Monsieur Copernic. Étant donné que nous avons déjà déterminé quelle est la fonction de cette machine, nous avons besoin de vérifier quel type d'énergie elle utilise. Monsieur Copernic pense que c'est un halo d'énergie qui peut faire fonctionner votre machine, mais ce type de technologie est encore à un stade théorique. C'est une légende ancienne. Ouais. Personne ne sait comment l'utiliser en pratique. Il semble que Copernic en connaisse un rayon sur les machines anciennes, mais personne n'a encore réussi à faire fonctionner cette technologie. Les autres artisans du village de Tot ont tous l'air de penser que cette théorie ne peut être mise en pratique. Cependant, nous avons appris que le halo d'énergie pourrait peut-être... serait peut-être issu de l'air boréal. Oui, quoi? On raconte que l'air boréal entraîne une réaction spéciale quand elle rentre en contact avec de la poudre brillante de fée batifolante. C'est super. Ainsi, la poudre brillante de fée batifolante est la seule manière de vérifier cette théorie. Zone Peace, vous voulez bien aller chercher de la poudre brillante de fée batifolante? Vous l'obtiendrez auprès des fées bâties. Putain, mais pourquoi des noms, c'est compliqué. Nous pouvons l'utiliser pour expérimenter avec le halo d'énergie. C'est vrai, tout en récoltant de la poudre brillante, aidez-moi à livrer le ticket pour les finales à Monsieur Philibert. Je pense qu'il sera très content. Philibert est le jeune frère de Monsieur Copernic, qui devrait conduire ses recherches près du banc de poissons de l'aube.
Même s'il s'intéresse peu à la compétition d'automates, son frère participe au final, alors il devrait monter le bout de... Il devrait montrer le bout de son nez quand même. Oh, c'est joli l'effet. What, c'est quoi cette merde? Ah, j'ai un boss. Vite, vite, vite. Mais attends, je sais pouter. C'est les fées sont un peu plus loin que les crocos, enfin sur le côté des crocos au vert. Attends, j'ai... Je viens d'arriver là. Les crocos bleus? Non, les verts. Ah, bonjour le mec. Ah bah, ici ouais. Les lutins là? Tout droit? Non, attends, pas eux. Là, tombe, j'ai droit, ouais, y'a un boss. Ouais, c'est là. Il est stylé en plus. Ah, j'arrive! J'avoue. Attends. Ah bah oui, Pierre il attend en accro les fées. Ah. Allez, on se fait le boss. Jump là! Explosation. Pouah, qu'est-ce qui s'est passé là? Ha ha! Ah, le salaud! Je m'en fous complètement, t'es mousse de cette merde. Hein, Link, j'ai des doubles lames. C'est de quel niveau? 28. C'est de la merde. Ok. Direct, c'est de la merde. Elles sont trop puissantes, de toute façon. C'est lui. Si c'est pas un niveau 38, je m'en tape. Oh! Comme ça. Putain. Ouais, faut faire des poudres. De la poudre de dos. Tiens, je vais lui donner aussi. Il y a lui là. C'est un bestiole là. C'est quoi ça? Cliquer à la finale, c'est quoi ce machin? Voilà. Putain de fée. C'est pour la quête, Pierre. Wouah, le mob! Faut pas de faux ruches, moi. Les tirants géants. Ah, t'as vu, c'est con, machin, côté, là. Bon, bah j'ai encore obtenu du loot niveau 38 avec le bordel. Oh, je les ai mis de côté dans la banque. Ah, c'est le 40, hein. Ça, c'est fait, tu vois. J'ai plein de trucs de côté dans la banque. Tout ce qui est parchemin, je les laisse devant. J'arrive pour tuer les fées! Putain, mais c'est long à loot, hein! Nom de Dieu! Faut 6? Moi je l'ai un. Ouais! Bah j'en ai un aussi. Première fée que je tue. J'en ai, j'en ai deux, mais. Deuxième fée que je tue! 4! C'est facile de looter. Pas moi. C'est à chaque fois y'en a un. Ouais, attends, je m'avance pas trop parce que. Ouais. J'en ai déjà 3, 4. Oh, j'ai tué 4 fées, j'en ai 4. Putain, mais cheater, ouais. C'est au moins 10 fois gentil, moi. Ah, voilà. On va tirer à like. Pas bien. J'en ai 5. Allez hop, 6. J'ai tué 6 fées, hein. J'ai loot à chaque fois. Putain, mais ça me donne des loot, je m'en fous. Vas-y, ça c'est quoi? Les graines, ouais. Oh putain! J'ai pas vu le niveau! Oula! Quand tu veux des loot? Non, on a pas. Quand t'en veux pas. Ah, grave. Ah, bon, les mecs! C'est bon. Ils sont trop simples les niveaux 40! T'es merde! Ah, ce que je vois, t'arrêtes de les niquer. En fait, ils sont super lents. Ah, mais. Wouah! Tu donnes moins que les effets! Donc, à distance, tu dépouilles. Oh putain! Ah, c'est une instance ici. T'as encore vu? Encore une. Ah ouais, une petite instance. Là là là, moi je m'en fous, je me fais les gros là. Ouais. Donne que 400. C'est complètement naze. Moi je me fais des fées, ça donne des parchemins. Des parchemins de... Ouais. T'as fait encore des parchemins? Ouais. Il va y avoir une fois, c'est pas d'épée mais d'armure. Bon allez là, putain. Quand tu veux. Putain, mais faut aller où? Putain, mais t'es sérieux? Je sais pas, après il faut pas aller à pire. Pire McQueen. Mais non, faut donner les tickets là. Ah mais il faut parler à l'autre là. Ah ok. Ah c'est là. Bon bah okay, vraiment pas l'autre. C'est vous qui assistez mon frère. Je me souviens juste que Pierre est le seul qui sera toujours proche de mon frère. Philibert vous jauge. Vous expliquez tout ce qui s'est passé à Philibert, y compris le fait que Copernic participe au final. Vous lui donnez également le ticket pour la finale que Pierre vous a confié. Je comprends. Votre rôle, c'est de contrôler. Combien de fois vais-je devoir lui dire avant qu'il ne comprenne? Les automates, ça ne m'intéresse pas du tout. Putain. Dit Philibert en soupirant et en secouant la tête. Pour autant que je sache, les fées batifolantes brillantes se trouvent au sud du banc de poissons de l'aube. Vous êtes
Vous devez être prudent. Les feux bâtis aux lampes brillantes n'abandonnent pas leur poudre brillance. Ça, ah, si, c'est super simple. Parlez à Pierre. Parlez à Pierre. Pierre. Parlez. Pierre. Ouais, bonjour. C'est bon, vous avez terminé la quête dans deux minutes. Voilà, on est trop fort. Parlez à Pierre. Ah putain, je suis en combat là. Non, ah, non. Non, c'est pas en combat. Non, parce que j'arrive plus à voler. PG, moi je dis. Début du combat. Je suis le sol. Non, j'étais en l'air. Il est temps de faire le test avec la poudre brillante de fée. Pierre se met alors à saupoudrer la machine ancienne cassée. Après un court instant, une faible lueur perce depuis l'intérieur de la machine. Pierre et vous échangez un regard surpris. Wow. Une surprise après avoir vu cette lueur. Oh la théorie de Copernic disait vrai. Le séparateur d'esprit va réagir à la poudre brillante. Cela signifie qu'il s'est alimenté en énergie grâce au halo. Excellent, excellent, monsieur Copernic est absolument incroyable. Zone Peace, votre machine a réellement été conçue par nos ancêtres. Elle a utilisé le halo d'énergie. C'est une découverte capitale. Si vous réparez cette machine, vous serez en mesure de séparer les œufs de long. Zulong à proximité fixe la machine tout en parlant. Vous demandez ensuite à Zulong s'il y a du nouveau. En fait, toutes les choses sont dotées du pouvoir de Gaïa. Si vous pouvez réparer cette machine, cela devrait suffire à manipuler les Edelons et lui faire reprendre sa forme et son pouvoir d'origine. Ces paroles vous font réfléchir en silence pendant un moment. Parce que vous savez qu'une fois que cette machine réparée, Zulong disparaîtra. Non. Cependant, si vous n'utilisez pas cette machine, vous allez peut-être vous transformer en un horrible zombie à un de ces quatre. C'est cool. Tout à fait. Vous êtes dans vos pensées quand soudain une lueur vive vous éblouit. Vous regardez en direction de la lumière qui vous hypnotise. BOOPS! T'as vu? Tout ce que vous voyez, c'est une jeune fille que vous n'avez jamais croisée auparavant. Mais ouais, vous vous rendez compte que son regard est fixé sur la machine que vous tenez entre vos mains. Sunpiece, que s'est-il passé? Vous vous excusez d'avoir eu un moment d'inattention. À ce moment-là, vous réalisez que vous ne savez quelle direction la fille est prise. Vous avez une récompense. Voilà. Maintenant que nous avons la confirmation que le halo d'énergie vient de cette direction, nous devons nous assurer que le plan de Monsieur Copernic s'exécute sans encombre. Quelque chose m'inquiète. Monsieur Copernic a déjà envoyé des collecteurs afin de collecter de l'air boréole dans les cols montagneux des ruines de Cité de l'Est. Mais l'heure de la livraison est passée et nous n'avons aucune nouvelle des collecteurs. Je doute qu'ils aient été en mesure de trouver les air boréoles. Alors, ils ont dû se perdre dans la forêt. Heureusement, j'ai déjà exprimé mon inquiétude à Monsieur Copernic. Il a dit que les collecteurs ont pris deux téléporteurs avec eux. Vous devez suivre la fréquence de lecture. Et vous pourrez ainsi trouver l'emplacement des collecteurs de la forêt, dans la forêt. Demandez en quelle mesure vous pouvez apporter votre aide. Bonne question, j'ai un plan. Vous pouvez voir ça comme de l'entraînement de base pour votre fonction de contrôle. Si vous manquez d'expérience dans le contrôle d'automate et que Monsieur Copernic perd, que pourrons-nous faire alors? Ah d'accord, c'est pour contrôler les automates. Après avoir fait ce constat, Pierre vous donne deux lots d'instruments d'allure bizarre. Voilà une bonne occasion pour que vous vous entraîniez avec ces instruments, ces détecteurs. Ce détecteur d'ondes radio peut émettre un large spectre de fréquences d'ondes. Vous pouvez l'utiliser pour réparer les téléporteurs et les collecteurs. Prenez l'instrument pour inspecter le col montagneux. Les finales vont bientôt commencer et nous n'avons toujours pas d'air boréole. Je vous en prie, ne laissez pas ces collecteurs causer la suspension de Monsieur Copernic. Tout à fait. Accepté, veuillez choisir une récompense. Ah, je vole. Ah ouais. I really, I can fly. I really, I can burn the fly. Ah bah non, je vole plus. J'ai sauté, du coup je vole plus. Eh ben, on fera ça la prochaine fois. Parce que ça fait déjà 25 minutes. Non, non, ça fait 25 minutes, Pierre. Non, tu fous de moi. Peut-être même un peu plus. Donc on verra ça lundi prochain. On fera les émissions de radio télévisées, là. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des quêtes secondaires, là? No. Ouais. Non, il n'y a pas de quête secondaire. Bon allez, on se dit à lundi. Bye bye.